Salut, j'espère que tu vas bien, que tu as passé un bon week-end, que tu as pu profiter un petit peu. Alors je sais pas quel temps il fait chez toi, mais ici dans le sud il fait super beau. Il commence à faire un peu frais, ça y est, on rentre dans la saison. Mais voilà, on a encore des super temps. Moi je suis allé faire une petite randonnée sur la Sainte-Victoire autour d'Aix-en-Provence, je sais pas si tu connais, mais c'est magnifique et franchement le week-end pour profiter de faire des belles balades, des belles randos, c'est top. Et aujourd'hui, en ce lundi, j'aimerais qu'on parle de quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. Et pour introduire ce sujet, je vais te raconter une petite histoire. Cette histoire, c'est l'histoire que beaucoup de gens ont connue avec le sport. Donc le sport, tu vois, c'est quelque chose qu'on doit faire. Parce qu'on a compris que le sport, bah, c'était utile pour la santé, que c'était utile pour perdre du poids, que c'était utile pour être plus en forme, avoir le corps de nos rêves. Et je pense que ça, on l'a tous compris, tu vois. Alors peut-être que t'as de la chance, comme certains, de ne pas prendre de gras, ou d'être naturellement musclé, ou d'avoir un corps parfait. Mais en réalité, pour la plupart, pour le commun des mortels, si je peux dire ça comme ça, on a tous besoin d'entretenir notre corps. Que ce soit déjà au niveau de la santé, comme je te l'ai dit, mais aussi au niveau des formes. Voilà. Par exemple, si tu vas avoir des belles fesses si t'es une femme, ou des beaux pecs si t'es un homme, il va falloir évidemment que tu travailles sur ton corps en faisant des exercices de musculation, que tu ailles courir, etc. C'est à peu près le seul moyen qu'on a trouvé pour être vraiment fit naturellement. Et ce truc-là, ce que je veux vraiment attirer ton attention dessus, c'est que peut-être qu'aujourd'hui tu fais du sport et que t'en fais régulièrement et c'est très bien, mais peut-être qu'aussi t'as connu ce truc-là. C'est-à-dire que tu t'inscris à une salle de sport, par exemple, ou une activité, ou peu importe, quelque chose que tu sais qui est bien pour toi. Par exemple, tu te dis, ah bon, ben allez, c'est parti, je m'inscris à la salle de sport parce que j'ai un objectif de perdre du poids, ou je m'inscris à la salle de sport parce que j'ai un objectif d'être musclé. Et une fois que tu t'inscris, au début, tu es tout feu, tout flamme, tu ressens des papillons dans le ventre, tu es super motivé par cette nouvelle aventure, t'as envie d'aller à la musculation tout le temps, t'as vraiment envie de faire des longues séances, enfin bref, c'est vraiment quelque chose qui est chevillé au corps, t'es super motivé. Et puis, qu'est-ce qui se passe quelques semaines plus tard? Malheureusement, la démotivation qui pointe le bout de son nez. Ah tiens, j'ai la flemme d'y aller ce soir, ah tiens, je passe mon tour, j'irai demain, oh non, j'ai vraiment pas envie d'aller à la muscu la semaine prochaine, oh mais j'en ai marre de la salle et tout. Et au final, qu'est-ce que tu fais? Eh bien, tu arrêtes d'aller à la salle, tu n'y vas plus du tout. Et donc, souvent ce qui se passe, c'est que tu payes un abonnement à blanc pendant quelques mois avant de résilier cet abonnement. Et je pense que cette histoire-là, on l'a tous vécue, ou en tout cas, on a tous connu quelqu'un qui est passé par là. J'en suis le premier, je suis le premier à faire ça, hein, clairement. Moi, j'étais à une salle de sport et je suis resté un an et demi et j'ai arrêté. Je fais toujours ça, en fait, j'ai des cycles. C'est-à-dire que je fais de la muscu pendant un an, puis un an plus tard, j'arrête pendant un an, puis je reprends, puis j'arrête, puis je reprends. Parce que je n'arrive pas à garder la motivation sur cette activité-là. Et en fait, bon bref, pour l'anecdote, c'est comme ça que se rémunèrent la plupart des salles de sport. En fait, ils ont un taux d'occupation qui est très limité parce que la salle, bon, bah, elle a peut-être allez, 10 machines. Mais ils jouent sur le fait que, bon, évidemment, les gens viennent pas tous au même moment. Mais surtout que les gens ne viennent pas longtemps. Et la plupart de leurs clients, je crois que j'avais lu une stat qui disait que c'était la moitié des clients d'une salle de sport, étaient des gens fantômes, entre guillemets, qui ne viennent plus ou qui viennent rarement. Donc, qui ne sont pas vraiment comptés comme des adhérents. Et c'est impressionnant de voir ça. Et si on fait tous pareil, si autant de salles jouent sur ça pour gagner leur vie, c'est la preuve ultime en fait en réalité qu'il y a un problème avec la motivation. La motivation, je vais dire quelque chose qui va peut-être te paraître bizarre, mais en fait c'est pas quelque chose sur lequel tu dois compter ou tu peux compter. Tout simplement parce que la motivation c'est une émotion. C'est comme si je te disais, tu peux être heureux uniquement quand tu ressens de la joie. Là, je te pose la question, est-ce que tu te sens joyeux? Probablement pas, peut-être que dans ta voiture, ou dans les embouteillages, ou dans les transports en commun, et que tu te sens pas particulièrement joyeux, il n'y a rien qui te fait particulièrement plaisir, tu te lèves tôt le matin, tu vas au boulot, ou tu rentres du boulot, t'as passé une journée compliquée, bref, tu vois, c'est pas la joie. Et en réalité, ça t'empêche pas peut-être de te sentir heureux au fond de toi. Ou peut-être pas, peut-être que t'es pas heureux parce que le salariat t'en peut plus, t'as envie de le quitter, mais il y a plein de moments dans ta vie où tu te sens heureux profondément, mais où tu ne ressens pas de joie, ou des moments où tu te sens triste, mais t'es pas forcément dépressif. Tu vois, en réalité, une émotion n'est pas un état. Donc, ce que je veux dire, c'est que par rapport à la motivation est une émotion. C'est-à-dire que tu vas ressentir de la motivation, qui est en réalité de l'inspiration, qui est couplée à plein d'autres émotions. Mais la motivation en soi, c'est un moteur à court terme. Quand tu ressens de la joie, c'est peut-être un moyen pour toi de donner plus d'amour, de faire des choses que t'aurais pas fait en temps normal parce que t'es excité, parce que t'es à fond. Mais ce n'est pas suffisant pour être heureux. Être motivé ne suffit pas à faire des choses sur le long terme. Tout simplement parce que la motivation s'épuise, c'est une émotion. Tu ne peux pas compter sur une émotion pour faire quelque chose de ta vie. Sans quoi tu serais perfusé à tes émotions
Et malheureusement, vu que les émotions, tu ne les contrôles pas, elles viennent, tu serais sans cesse en fait en train d'être heureux, dépressif. Et en réalité, ton état, il est entre les deux. Des fois, t'es content, des fois, t'es pas content, mais au global, tu te sens dans un état. Donc, c'est là où je vais emmener ton attention aujourd'hui. C'est le fait que, oui, l'émotion de la motivation peut t'aider à lancer un projet, parce qu'à un instant T de ta vie, tu vas avoir besoin de telle motivation, de tel coup de boost pour te lancer, et c'est comme ça que tu passes à l'action quand tu achètes une formation, quand tu suis un coaching, quand tu t'inscris à une salle de sport, quand tu arrêtes de fumer. Toutes ces choses-là, c'est un pic de motivation. Et c'est pour ça que le 31 décembre, à quelques minutes de la nouvelle année, on est là et on fait nos petites bonnes résolutions qu'on abandonne le 1er ou le 2 janvier. Parce que à ce moment-là, tu as ressenti de l'émotion, une motivation. Et cette motivation t'a fait prendre une décision. Mais cette décision, tu ne peux pas la tenir, tout simplement, enfin en tout cas pas sur le long terme, parce que la motivation s'épuise. Alors il y a des personnes, la motivation elle s'épuise en un mois, il y en a, elle s'épuise en deux jours. Bon, voilà. Donc c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que la motivation n'est pas suffisante pour quitter le salariat, par exemple. Parce que si tu attends d'être motivé pour le faire, tu ne le feras jamais. Tout simplement parce que, encore une fois, c'est le caractère éphémère de la motivation qui t'empêche d'aller au bout de ce projet-là. Alors, avant de t'expliquer comment faire pour remplacer la motivation par quelque chose de plus pérenne, de plus fiable dans le temps, je vais te parler de mon histoire avec la motivation. Je suis une personne qui a toujours ressenti au fond de lui l'âme de l'entrepreneur. C'est-à-dire que toute ma vie, j'ai été très motivé à l'idée de créer des projets. C'est, je sais pas, ça me faisait ressentir quelque chose de spécial, de créer un site internet, que des gens viennent dessus, qu'ils voient mon travail, qu'ils puissent utiliser mon travail comme une solution au quotidien. Ça me faisait ressentir des papillons dans le ventre. Je me sentais inspiré. Et pour te dire, j'ai lancé beaucoup de projets dans ma vie. Je vais pas tous te les énoncer ici parce que ce sera peut-être l'objet d'un prochain podcast. Mais j'ai lancé beaucoup de projets, dont certains sur la séduction, d'autres sur la psychologie sociale, ou il y en avait aussi sur... j'en ai fait sur les soirées en appartement. Enfin bref, j'ai fait plein de projets. Et tous ces projets, ils ont un point commun. C'est que sur le moment, pendant que je les créais, j'étais super motivé. Et au moment où je les lançais, j'étais démotivé parce que j'avais plus de stimuli positifs. Par exemple, si j'étais motivé à l'idée de créer un nouveau projet, ce qui me motivait, c'était l'attente. C'était le fait de me dire, quand je vais le finir, je vais avoir tel résultat. Mais quand je lançais le projet et que je me rendais compte que je n'avais pas le résultat escompté aussi rapidement que ce que je voulais en tout cas, eh bien ça me démotivait. C'est comme aller à la salle de sport, te dire je vais devenir super baraque, je suis content, et puis au bout de un mois de muscu, tu te rends compte que t'as pas beaucoup pris parce que bah t'as pas été assez actif ou tout simplement t'as juste pas assez mis de temps dedans pour qu'on voit des résultats. Et donc bah, finalement tu annules, tu dis bon bah c'est pas grave, j'abandonne, ça n'a pas eu de résultat. T'as abandonné trop tôt. Et vu que j'étais calqué du coup sur l'attente du résultat, en toute logique, je finissais par me démotiver et donc à abandonner mes projets. Et j'ai abandonné comme ça tous mes projets. Il y a même des projets qui commençaient à marcher que j'ai abandonné aussi. Parce que je n'étais pas capable de gérer la baisse de motivation dans mon processus. Dès que la motivation partait, j'avais l'impression que c'était fini, que j'avais plus d'énergie, qu'il fallait que j'arrête parce que ben, je ressentais plus rien, je me sentais vide, déprimé, démotivé, etc. Et puis un jour, j'ai fait la connaissance d'une coach qui m'a pris sous son aile et qui m'a finalement fait un bilan émotionnel qui m'a permis en fait de gérer mes émotions. Parce que comme je te dis, la motivation est une émotion. Cette émotion qui n'est pas remplie amène vers une autre émotion, la déception, l'impatience et compagnie. Et toutes ces émotions-là m'emmenaient vers l'état où je ne faisais plus rien. Donc, bah finalement, j'ai fait un bilan émotionnel, j'ai appris à gérer mes émotions, à gérer surtout les variations d'émotions, parce qu'il y avait des jours où j'étais en euphorie extrême et des jours où j'étais en désespoir total, et il fallait trouver un juste milieu entre ces deux pour avoir une courbe qui n'est pas sinusoïdale à forte... avec des gros écarts, mais une sinusoïdale assez plate, tu vois, où en fait j'étais plus dans la neutralité tous les jours plutôt qu'une super euphorie et un super désespoir. Voilà, donc il fallait trouver un juste milieu, et en gérant mes émotions, j'ai appris à le faire. Et j'ai découvert qu'en réalité, la clé pour avoir un petit projet rentable ou n'importe quel projet, hein, je te parle de là, c'est un truc de vie que je te dis en fait, au global, c'est pas juste pour un petit projet rentable, même si on est sur ce sujet-là, mais. En fait, pour lancer n'importe quoi dans ta vie, que ce soit pour faire de la musculation, pour perdre du poids, pour arrêter de fumer ou pour même créer un petit projet rentable pour quitter le salariat, la clé, c'est la persévérance. La persévérance, c'est le fait de mettre un pied après l'autre chaque jour pour arriver à un résultat. C'est la même chose que de monter une montagne. Comme je te disais, j'ai escaladé la Sainte-Victoire.
Et bah justement, la Sainte-Victoire, quand tu la regardes d'en bas, elle est super haute, elle fait peur. Elle fait, je crois, 1000 mètres d'altitude, enfin 1000-1200, je sais plus, mais le dénivelé est assez sévère quand même. Donc forcément, c'est 1h30 de montée, 1h30 de descente. Ce qui fait que bon, quand t'as fait 3 heures de randonnée, t'es bien séché. Mais si... Le simple fait de penser au fait de faire la randonnée me faisait stresser. Je me disais, tu vois, est-ce que je suis encore capable là de faire 1500 mètres de dénivelé, passer 3 heures à marcher dans le froid, être fatigué, machin. Mais au final, non, sur le moment, j'avais pas la motivation. Mais en réalité, j'étais avec un ami, j'ai marché tranquillement, et chaque pas après l'autre, je l'ai... Ben, en fait, c'est plus facile de faire un pas après l'autre plutôt que de se dire je vais tous les faire d'un coup. Donc en réalité, le fait d'avoir découpé mon objectif en plein de petits objectifs et d'avoir accepté que ça allait durer 3 heures et pas une demi-heure, cette montée-là, ça m'a permis de tenir. Donc non, j'avais pas de motivation à faire la Sainte-Victoire, j'avais juste la motivation d'être avec mon pote et de parler avec lui. Mais si tu veux, c'était plus de la persévérance et de la résilience. C'est le fait de te dire, bon bah ok, la montagne elle est haute, je vais arriver au sommet, mais je vais faire chaque pas un jour. Et c'est exactement la même chose avec la motivation. Ce qu'il faut réussir à faire, c'est de dire je veux avoir un corps musclé. Bon, ben, je vais faire une séance tous les X jours et je vais tenir ça sur le long terme. Parce que je suis certain que si je fais chaque pas un après l'autre, je vais forcément un jour arriver au sommet. C'est mathématique. 1 est toujours meilleur que 0. Tant que tu feras un effort continu, même s'il est petit, mais tant qu'il est régulier, tu vas toujours vers le mieux. Et en fait, ce qui est important, et c'est dans les investissements, souvent c'est le cas, c'est pas... ce que tu fais immédiatement. Tu vois, regarde, quand tu regardes une courbe de bourse, la bourse, ça monte et ça descend. Mais ce qui est important, c'est pas ça. Ça, c'est du trading. Tous les gens qui vont dire « Oui, fais du trading, essaie d'anticiper les montées et les descentes », c'est des gens qui n'ont rien compris. C'est comme si tu dis « Essaie d'anticiper quand tu vas être triste et quand tu vas être heureux », ça marche pas. Tu peux pas le savoir, c'est aléatoire. Donc en réalité, tu peux avoir des proportionnalités, tu vois. Oui, il y a des chances que tu sois heureux parce qu'en ce moment, tu vis ça. Mais ça veut rien dire, tu seras peut-être malheureux. C'est comme au casino, c'est de la chance. Donc aujourd'hui, si j'investis dans la bourse par exemple, même si je m'égare un petit peu du sujet, c'est parce que je sais que la moyenne, la médiane, la tendance est haussière. C'est ça qui est important, c'est la tendance. Et c'est exactement la même chose avec les actions. Si tu fais chaque jour une action qui te ramène vers ton objectif, c'est une tendance que tu dessines. C'est que la tendance, aujourd'hui, je suis moins bon que demain. Et demain, je serai meilleur qu'aujourd'hui. Ça ne peut que se vérifier si tu fais une action par jour seulement. Si tu fais un rush en te disant je vais faire 10 vidéos sur YouTube et j'en fais plus jamais de ma vie, évidemment que tu n'auras pas de résultat. Ou peut-être que tu en auras dans 2 ans quand tu auras déjà abandonné. Mais si tu veux un résultat, il faut être persévérant. Il faut faire une action identique, similaire, longtemps. Sur plusieurs jours, plusieurs mois. C'est comme ça que tu auras des résultats. C'est la persévérance qui paye. Tu vois, j'aime bien cette... j'ai une métaphore par rapport à la persévérance qui me plaît beaucoup. Tu vois, j'ai eu beaucoup de métaphores et de citations parce que ça a été important pour moi d'imager beaucoup ce que je ressentais parce que c'était un gros problème pour moi, la persévérance. Ça m'a empêché de devenir entrepreneur avant de lancer les 3 libertés. Et heureusement que je me suis débloqué, sinon les 3 libertés n'existeraient pas et tu n'écouterais pas ce bocal actuellement. Et justement, cette métaphore-là, c'est... Imagine un énorme champ, d'accord ? Un champ. Tu vas t'acheter une terre en plein milieu de la France, dans la Creuse. Et sur cette terre, tu veux planter une forêt, d'accord ? Y a pas d'arbres, c'est un terrain vierge avec absolument rien dessus, que de la terre. Tu vas arriver avec tes graines. Si je plante 10 graines au milieu du terrain et que je m'en vais, quelle est la probabilité qu'il y ait un arbre, enfin qu'il y ait 10 arbres dans 10 ans ? Peut-être, 3%. Mais si je plante 2000 graines chaque jour, je plante une graine. Alors évidemment, si je te dis dans ce terrain, plante 2000 graines d'un coup. Tu vas me dire, oui, non mais attends, 2000 graines, c'est dur, je vais passer ma journée, même peut-être une semaine à le faire. C'est compliqué. Mais si je te dis, t'as pas besoin de motivation, chaque jour, tu descends de ton logement qui est à côté, tu poses une graine et tu rentres chez toi. Ça va être plus facile, tu vois, de poser ça. Ça va être plus facile tous les jours de faire une action plutôt que d'en faire 1000 en un jour. Et c'est ça que je veux te dire. C'est qu'aujourd'hui, il faut le voir sur le long terme. Tu fais pas un sprint, tu fais un marathon. Si tu veux quitter le salariat, le but, c'est pas de devenir riche en 5 minutes. C'est pour ça que je suis pas un vendeur de rêve et que je m'inscris contre les vendeurs de rêve. Je veux être l'anti-vendeur de rêve, justement. Parce que, justement, ces gens-là, ils te vendent la facilité, ils te vendent la rapidité. Mais ça ne fonctionne pas si tu n'es pas persévérant. Ça fonctionne que si tu acceptes le fait que au début, c'est long. Oui, c'est vrai. Mais une fois que tu le fais longtemps, ça accélère. Parce qu'une fois que tu auras planté 500 graines dans ton champ, et que tu en auras planté une de plus, tu en auras déjà 500 avant toi. Et ces 500 avant toi, elles vont créer des arbres. Donc ta forêt, elle va devenir de plus en plus grande. Et c'est ça
qui est important. C'est ça qu'il faut comprendre. Voilà. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui était important pour moi de te raconter. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui suivent cette liste-là, qui ont un syndrome de l'imposteur, un syndrome de peur de l'échec et compagnie. Mais il y a aussi des gens qui ont un syndrome de l'objet brillant. C'est-à-dire qu'il y a plein de projets qui les animent, ils sont là, ouah, génial, j'ai envie de créer tel projet, un blog, une boutique e-commerce, machin et tout. Parce que ça leur fait envie, parce qu'ils voient le résultat et c'est normal. C'est comme ça qu'on fonctionne. Quand tu vois que tu peux faire jusqu'à 2500 euros avec une boutique e-commerce sans bosser pour un patron, c'est de l'envie, on est d'accord. Mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas tout simplement parce que dès que tu vas perdre la motivation, tu vas retomber dans le travers de « je dois changer de projet ». Parce que tu t'es trompé. Tu penses qu'en fait, c'est le projet qui va pas. Mais c'est pas le projet, c'est juste ta persévérance. Le projet en soi, il est bien. Peut-être que tous les projets que tu as eus dans ta tête, toutes les idées que tu as eues, elles sont bonnes. Mais si tu n'exécutes pas cette idée, où est la plus-value? Tu vois, moi, il y a des gens, des fois, ils me disent « Ah, j'ai un projet secret, mais je t'en parle pas, hein, je peux pas t'en parler. » Je leur dis « Pourquoi tu m'en parles pas ?» Ben, parce que tu risques de me la voler. Mais je dis, et c'est beaucoup de gens qui disent ça aussi, c'est « Tu sais, une idée, ça vaut rien. Ça vaut absolument rien, une idée. » Si je te dis demain, oui, tiens, j'ai un super projet pour toi, le seul truc qui compte, c'est pas l'idée, c'est l'exécution. Aujourd'hui, tu me donnes n'importe quelle idée, je ne peux pas la faire marcher en 10 secondes. Il va falloir que j'ai des réflexes, je sais comment faire, pour lancer un projet qui fonctionne maintenant. Mais si tu veux, je vais pas pouvoir le faire marcher tout de suite. Il va falloir que je l'exécute, que j'ai l'idée, que j'ai la passion du truc, tu vois. J'ai besoin de tout ça pour le lancer. Donc, l'objet brillant, le syndrome de l'objet brillant, c'est une erreur aussi, on en parle peu, mais c'est une grosse erreur. Si tu cherches toujours le projet parfait et que tu ne peux pas t'arrêter et tu n'es pas capable d'être persévérant quelques semaines, quelques mois sur un projet, c'est la preuve qu'il y a un problème et que tu es trop axé sur la motivation parce que tu es trop calqué sur les résultats. Et tant que tu seras calqué sur ça, tu ne pourras pas faire fonctionner tes projets. Et ce que je voudrais dire aussi, c'est justement, vu que la motivation ne suffit pas et que la persévérance est la clé pour réussir, tu as besoin d'avoir un pourquoi profond. Pourquoi est-ce que tu fais ça? Et l'argent ne suffit pas. Si tu me dis je le fais pour l'argent, c'est que tu n'as pas trouvé ton pourquoi. Un pourquoi, c'est pas l'argent. Si je me demande en interview pourquoi, Joanne, tu fais ça, je vais te répondre parce que ça me fascine d'aider les gens, de me dire voilà, je vais avoir un impact dans ce monde, je vais aider des personnes à quitter le salariat, à générer des revenus pour leur rendre leur liberté. Et ça, rien que ça, ça me donne un super... quand je me couche le soir, je suis heureux. Et aussi, je vais pas mentir, mon pourquoi profond, je te l'avoue, c'est parce que j'aime la reconnaissance. J'ai un besoin de reconnaissance. On a tous des besoins un petit peu comme ça, tu vois, primaires qu'on a besoin de résoudre. Ça peut être, je sais pas, parce que t'as envie d'être reconnu. Ça peut être parce que t'as envie de prendre une revanche sur la vie. Parce que t'as envie d'avoir du pouvoir, de récupérer du pouvoir, de montrer à tout le monde aussi que t'es capable de le faire. Mais souvent, les raisons qui nous font faire des business, c'est pas l'argent. Enfin, si c'était que l'argent, on le ferait pas. Être entrepreneur, c'est quand même du souci. Malgré le fait que c'est des revenus automatiques, que t'as pas besoin de bosser tout le temps, et que du coup, c'est relativement une vie douce, ça reste quand même du travail. Tu vois, c'est pas genre, je siffle des mojitos sur la plage à Bali, je peux le faire. Mais c'est pas le gros de mon travail, ma journée ressemble pas à ça, tu vois. Donc, en réalité, l'argent ne suffit pas. Si tu es motivé par l'argent, tu n'y arriveras pas. Il faut que tu trouves ton pourquoi. Ton pourquoi, ça peut être par exemple faire un pied de nez à ton patron. Ça peut être avoir l'impression de retrouver ta liberté et de retrouver du pouvoir dans ta vie. Ça peut être parce que tu as envie d'être reconnu par tes pairs et de faire un projet qui va faire parler de toi et qui va du coup te donner un rôle dans cette terre. Ça peut être parce que tu as envie d'aider profondément les gens et que tu as ce besoin-là. Réfléchis aux besoins que tu as profondément au fond de toi, les choses qui te font vibrer. Qu'est-ce que tu serais capable de faire gratuitement? Pose-toi cette question. Moi, par exemple, ça serait d'être policier. Tu vois, c'est bête. J'ai passé le concours il y a quelques années quand j'étais perdu dans le salariat. Je l'ai réussi. Bon, je suis pas allé au bout, hein. Je suis pas allé en formation. Mais je voulais être policier. Et demain, si tu me payais, tu me disais je te donne de l'argent sans rien faire, bah, potentiellement, policier serait un métier qui me plairait. Parce que j'aurais l'impression de servir mon pays. Parce que j'aurais l'impression d'aider la population. Parce que j'aurais l'impression de sortir de la société des personnes qui sont dangereuses. Et donc de faire le bien. Et donc d'avoir un rôle dans cette société, dans ce monde, tu vois. Ça, c'est mon pourquoi. Ce serait un pourquoi profond. Donc il faut que tu trouves ton pourquoi profond pour réussir à comprendre ce qui te motive. Mais encore une fois, parce qu'il te motive vraiment. Ce qui te donne l'instinct de bosser et de ne pas t'en tenir seulement à la motivation. La motivation, c'est bon pour les choses qui répondent pas à un pourquoi profond. Le fait d'être musclé, peut-être, c'est pas un pourquoi profond pour toi. Parce que ça répond pas à un besoin vital. Mais par contre, si t'as un besoin de reconnaissance ou un besoin de te sentir utile pour les autres, ça,
c'est un besoin vital. Et ce besoin vital, c'est ton carburant. Donc, ne te trompe pas de carburant. Ne cherche pas la nitro, tu vois, comme dans les jeux vidéo, le truc qui te fait accélérer. Cherche plutôt de l'essence. Voilà, c'est ça en fait qu'il te faut. Il faut de l'essence. Et pour l'essence, il faut que tu trouves ton pourquoi profond. Et j'aimerais ajouter un truc, c'est que ne te compare pas trop aussi aux personnes qui ont réussi. Ne me regarde pas, ne regarde pas Anton BM, ne regarde pas Stan Leloup, ne regarde pas tous les coachs qui font déjà ça, parce que en réalité, ça te démotive. Parce que la motivation, elle vient souvent du fait que tu te dis, je veux être comme lui, je veux avoir la même vie que lui, donc c'est normal. Peut-être qu'en te parlant de ma vie, ça te donne envie d'avoir la même, et je peux le comprendre, et c'est aussi le but, tu vois, j'ai envie de te motiver pour que tu passes à l'action. Mais en réalité, si tu te compares à moi, tu vois pas le tableau dans son entièreté. Tu vas voir juste le Johan qui aujourd'hui gagne sa vie avec ses revenus passifs, hors du salariat. Mais ce que tu vois pas, c'est qu'il y a eu derrière des efforts qui ont été faits de ma part. Il y a eu des erreurs qui ont été commises, il y a eu des projets qui sont été à la poubelle. Tout ça, tu ne le vois pas. Mais c'est trop facile, c'est comme les films d'amour, tu vois. Tu vois le mec et la fille qui s'embrassent à la fin, ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Mais en réalité, c'est le début de l'histoire à ce moment-là, c'est pas la fin. C'est le moment où il va y avoir les disputes, c'est le moment où il va y avoir les tromperies, c'est là où il va y avoir les difficultés. C'est là où ça commence l'histoire. Donc oui, c'est bien beau de voir que Johan aujourd'hui il est là ou qu'Anton BM il est là. Mais tout ça, c'est un effet d'halo. Donc si tu cherches à être comme eux tout de suite, tu oublies en fait que ces gens ils sont passés par toutes les étapes. Si tu vois un mec en haut de la montagne, tu te dis oui, le mec il a de la chance, il est en haut, il a eu... Non, il a pas eu de la chance, il a fait un pas après l'autre pour monter. Et ce chemin, c'est un pèlerinage, t'es obligé de le faire en fait pour y arriver. Donc oui, tu vas devoir être persévérant si tu veux réussir. Et la méthode des petits pas va t'aider justement à réussir ce truc. Donc chaque pas va t'amener là où tu veux être, c'est-à-dire générer des revenus passifs pour te libérer du salariat. Voilà, j'espère que ce petit podcast t'a plu, qui t'a vraiment permis un petit peu de voir la différence entre motivation et persévérance, qui est très important, et même si tu t'en sers pas pour le salariat, tu peux t'en servir pour plein d'autres choses dans ta vie de tous les jours. Sache que la motivation ne suffit pas, c'est un carburant qui peut donner un bon coup de boost à des moments clés pour des tâches courtes, ça c'est très bien, si t'es motivé pour faire la vaisselle, c'est génial, mais par contre, voilà, tu ne seras jamais motivé de manière long-termiste à faire la vaisselle tant que tu ne trouveras pas ton pourquoi comment, et je ne suis même pas sûr qu'il y ait un pourquoi comment pour faire la vaisselle, mais t'as compris l'idée en tout cas. Voilà, je te souhaite une excellente journée, un excellent lundi et surtout une bonne semaine. Et je te dis à demain, 6h30 pour le prochain podcast.